Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Calme, solitude, équilibre. Le point de départ d'un long chemin jusqu'au sommet du sport automobile. L'antithèse discrète du rêve grisant. Estonie, le pays natal de Sten Pentus. Se ressourcer au cœur de l'isolement de l'hiver estonien, être physiquement au top, ce sont là des conditions nécessaires pour quelqu'un qui veut aller jusqu'en haut. Un entraînement rigoureux pour le tournant décisif vers une grande carrière. Une carrière bruyante qui n'a pas grand-chose en commun avec la nature estonienne. Sten Pentus est pilote de course en Formule Renault et il est la preuve vivante qu'il n'y a pas que les Scandinaves qui savent faire la course dans le Nord. Au cours de sa deuxième saison, le Balte court d'ores et déjà parmi les leaders et remporte dès le début de l'année sa première victoire en Aragon, en Espagne. Je suis très heureux car je me sens fort, je suis rapide, je suis plus en confiance que l'année dernière. Je me réjouis par avance pour cette saison. Après 4 courses, Sten s'est installé dans le groupe de tête. Et c'est aussi la réussite de cet homme, son coach de course, Laurent, ancien pilote de Formule 3, qui l'a toujours à l'œil, encourage son talent, le rend plus fort et plus rapide. Il est juste dans sa deuxième saison complète de sport automobile. Dès qu'une session est finie, j'essaye de lui donner tout de suite des conseils pour le virage 1 ou 2 ou autre chose. Et s'il doit freiner plus tard ou attaquer dans le virage plus vite. C'est encore un peu tôt pour dire que nous sommes favoris, mais je crois qu'on peut s'attendre à finir dans le top 3. Un Sunny Boy qui prend la vie du bon côté et son travail très au sérieux. Les top modèles, la mode et le fric ne sont pas vraiment son truc. Il participe rapidement à cette séance photo pour un magazine lifestyle entre deux séances d'essai sur le circuit. Tout ce que veut ce garçon, c'est simplement rouler vite. Sten n'a pratiquement pas de temps à consacrer à autre chose. Tout ce que je peux voir, ce sont les circuits et les aéroports. Par exemple, je m'envole pour Barcelone, j'atterris, je prends une voiture de location jusqu'au circuit et ensuite jusqu'à l'hôtel. Dès que le week-end est terminé, je retourne à l'aéroport et je quitte le pays. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour visiter la ville. Je crois que je suis venu déjà 5 fois au circuit de Barcelone, mais je n'ai jamais encore mis les pieds en ville. Quoi qu'il en soit, c'est à Tallinn qu'il se sent chez lui, auprès de sa famille et de ses amis. Sten est exactement comme on peut imaginer un homme du Nord, ouvert, accueillant et pas compliqué. Son style cordial est simplement communicatif. Il est de ceux qui voient toujours le positif. Pour lui, le verre est toujours à demi-plein. Un garçon qu'on ne peut qu'apprécier. J'aime la manière avec laquelle il appréhende la vie. On essaie toujours de donner le maximum, de faire les choses qu'on aime, mais pas pour plaire aux autres, simplement pour être soi-même. Lorsqu'il a décidé quelque chose, il est complètement concentré, focalisé. Aujourd'hui pilote de course, demain rockstar, sport et musique, deux passions qui chez Sten se conjuguent. À côté de sa carrière de pilote, il a du temps pour produire de la musique. Il est toujours en phase avec son temps, ce Sten. Quelqu'un qui aime la vie et qui en profite à fond, au jour le jour. Je veux tout faire, faire les choses le plus vite possible, ne pas attendre d'avoir 60 ans pour s'y attaquer. C'est mieux de le faire tout de suite. On ne sait jamais combien de temps il nous reste. J'essaie de vivre chaque jour comme si c'était mon dernier. Le plus grand espoir du sport automobile est le fils le plus rapide d'Estonie. Il vit pour le succès sans être crispé. Le week-end prochain, il attaquera de nouveau à Manicourt. Un gars sympa qui emprunte de nouvelles routes jusqu'au sommet, sans se perdre. Thank you, that's it for now. See you at the racetrack.
Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.